Enlevée par Boko Haram, retenue comme esclave depuis près de 3 ans, Léa Charibou n'est pas oubliée. Tes frères et sœurs du monde entier, Léa, prie pour toi dans l'assurance de l'intervention du Tout-Puissant en ta faveur. Dieu t'aime, il a entendu tes cris, il a vu tes larmes et celui qui te touche, touche à la prunelle des yeux de Dieu et s'expose à la colère du Tout-Puissant. Dieu t'aime, il te fera justice, nous sommes avec toi dans la prière, prends courage. Ma prière pour toi, Léa, c'est que ton courage soit renouvelé, c'est que ta foi et ta fidélité puissent parler au cœur de tes oppresseurs comme la foi d'Étienne a certainement parlé au cœur de Saul au début du livre des Actes. Puis c'est aussi que le Dieu de tes pères t'encourage, te fortifie puis te renouvelle. Mein Gebet für Léa ist, dass sie ihren Mut nicht verliert und dass Gott sie immer wieder neu erfüllt mit Kraft und mit Frieden. My prayer is that our Heavenly Father will comfort you, that the love of Christ will guide you and help you, and that the strength of the Holy Spirit may heal you, to give forgiveness. You know, the biggest reality in all the world is the love of God. My prayer is also that humanitarian organizations, politicians and the media put pressure on the leaders of your country, for you may be released. On pense bien fort à toi. In Jesus' name, Amen. You will never be forgotten.